Salut tout le monde, c'est Ram, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Police Simulator. Et du coup, j'ai un peu avancé sur la partie. Et du coup, parce qu'en fait, tout simplement, si vous regardez, en fait, c'est simplement des villes et une nouvelle voiture de patrouille qu'on a débloquée. Sauf que la voiture de patrouille, moi, pour moi, elle bug. Les roues tournent vachement vite, elle n'a pas le même comportement que l'autre voiture. Donc, en attendant qu'il y ait la mise à jour pour régler ça. Voilà, donc je vous la montrerai quand même, mais voilà. Et tout le reste, c'est simplement en fait des nouveaux districts. Voilà, donc au départ, on était sur celui-là, si vous vous rappelez bien. Et là, du coup, on a celui-là. Donc là, pareil, hein, je ne me suis pas pris la tête, on a fait directement. Parce que je voudrais voir, du coup, qu'est-ce que ça rajoute quand on va passer ici. Parce que du coup, on va gagner peut-être un nouvel véhicule, peut-être des. Donc je ne sais pas. Donc on va essayer de voir, et puis sinon, on devra attendre du coup la mise à jour peut-être pour avoir des nouveaux trucs dans le jeu. Donc au pire c'est pas grave, hein, quand on continue notre de monter nos XP, comme sûrement on sera déjà débloqué quand il y aura des votés. De toute façon je pense que les niveaux après ils vont commencer à changer aussi, donc là on attend que ça change, parce que moi c'est pareil. Toujours un petit temps que tout se charge un peu. Voilà. Donc là on a l'habitude de patrouille qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est celui-là de nouveau. Donc ça fait un peu un genre de SUV. Sauf que voilà, moi j'ai ce problème. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez déjà les roues comme elles font. Vous allez voir quand je vais accélérer, j'ai l'impression d'avoir un camion. Enfin, hyper fort le bruit et c'est une savonnette quoi. C'est infernal, donc du coup, je préfère largement pour le moment le laisser. C'est quoi ça? Bon, j'ai pas compris, vous avez vu. Donc il y en a qui n'ont pas de problème, il y en a qui n'ont pas de bug, mais c'est This vrai is Patrol que 4561, taking care of the accident. j'ai le problème avec ça, donc je préfère prendre celle-là directement. On va voir, verbaliser cette voiture, hein, parce que c'est une qui a été garée sur l'autre toit. Peut-être qu'on aura un meilleur graphisme, peut-être que je pourrais pousser un peu plus le truc plus tard quand ils feront des mises à jour et qui rendront un peu le jeu un peu plus stable. Peut-être que du coup mon PC il pourra un peu mieux. C'est dommage, je peux pas vous montrer vraiment la qualité que ça donne, c'est vraiment à fond. Vraiment dommage. Donc là on a appelé sur un individu recherché. Donc, I'll take care. We've updated your map with a potential area where the suspect can be found. Apparemment, on est dans le secteur. Ok, bon, on a un accident qui vient de se produire devant nous. Garde l'œil au cas où qu'on trouve la femme recherchée. Ça c'est pareil, les individus recherchés c'est énormément compliqué. Bon ben lui. ID and if available proof of insurance please. Je pense qu'on est très attendu en fait sur la nouvelle mise à jour qu'il y aura pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont rajouter de plus. Là. Déjà c'est vachement sympa. Pas énormément de choses. Et je pense que le plus attendu c'est multijoueur bien sûr. C'est pouvoir être enfin avec des collègues, faire une équipe et jouer à plusieurs sur le. Ce qui va donner beaucoup plus
de crédit au lieu. C'est en fait on va pouvoir enfin, vu qu'on va être en équipe, les accidents par exemple, on va pouvoir en fait gérer l'accident mieux quoi on va dire. C'est vrai que là on est tout seul, du coup quand il y a 3 ou 4 voitures, on est obligé de faire un par un les trucs. Là le collègue va pouvoir peut-être prendre des photos en passant. Voilà. Ça peut être un avantage. Les gens ne parlent pas, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, elle est conduite sous droite. ID, if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. C'est peut-être forcément elle aussi qui a sa carte d'identité expirée déjà. Son permis de conduire est bon. On va lui mettre une contravention pour ça déjà. Ah, défaut d'assurance. I have to issue you a ticket for your expired ID. That should be between $75 and $150. Why does it cost so much? Donc là on verra après tout ça. On va d'abord pour discuter avec les gens. Si je l'ai fait là. C'est lui que j'avais pas fait. Ah, j'ai plus souvenir. Non, c'est elle que j'avais pas fait. Ouais. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. Ouais, donc elle non plus, elle sait pas ce qui s'est passé. ID and, if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. L'assurance aussi. Je pense en fait c'est la personne qui était droguée qui a rentré en fait dans la voiture. On voit qu'elle a tamponné et elle a dû taper en fait le taxi qui était juste à côté. Mais bon, vu qu'elle a conduit sous drogue. J'ai interrogé lui ou pas. Ben oui. Bon ben écoute. Est-ce qu'on n'aura pas mieux? On va donner procès verbal. Thank you, officer. Finalement, vous voyez la progression, hein. Ils n'arrivent pas à savoir. C'est... Bon, elle peut y aller, elle n'a pas grand chose vraiment. We are finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Pour le petit coup qu'elle a, elle peut prendre le reprendre le. Taxi, c'est pas mal. Ok, on va repartir. Here's your accident report. Thank you, officer. We are finished here. You're free to go. Have a nice day and take care.
mal du coup. Ok, here's your accident report. On va l'arrêter du coup pour conduire sous suppression. I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. Please move on to the sidewalk. What? I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Ah, on avait ça. Ils étaient cachés par le taxi. On va appeler une unité pour venir la chercher. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. On va juste sortir notre véhicule parce que sinon ça va être compliqué. Ça fait pas grand chose de PNJ pour moi. Voilà ce que ça fait quand vous quittez un secteur. Du coup, je suis obligé de recommencer. Ah mince. Ah ouais, ça s'est mal foutu. C'est vraiment à l'endroit où c'était. Ils m'ont fait en fait faire le tour. Ah, je suis dégoûté. Du coup, j'ai perdu. Mais c'est fait. I have an injured person requesting an ambulance. Eh bien, il a le sourire par terre. Voilà. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? I might have forgotten to use the turn signal. J'ai oublié de mettre mon clignotant, je ne suis pas sûr. ID and if available. Il a demandé du coup une pièce d'identité, l'assurance. Here you go, officer. Elle n'a pas d'assurance. Du coup, on va lui mettre une contravention pour l'assurance. Ok. I'm issuing you a ticket because you don't have valid insurance. It hurts. My lawyer will take care of it. But I think I'm fine. Ok, good. Can you walk on your own and come with me to the ambulance for further examination? On va penser du coup qu'elle ne reparte pas avec le véhicule puisqu'elle est pas assurée. Yes, let me stand up. I'll come with you. Pas de drogue non plus, c'est bon. Ok, attendez là, madame. All of a sudden, this person turned. Personne a tourné, pas de clignotant. Donc on est sûr au moins déjà que elle en croit qu'elle va pas souvenir qu'elle en a mis et elle dit qu'elle a vraiment pas mis de clignotant. Can you hear me? It hurts, but I don't think I'm badly injured. That's good. On va pouvoir lui mettre une amende du coup pour le clignotant aussi. Can you stand up and walk with me to the ambulance? ID and, if available, proof of insurance, please. Yeah, I think I can walk.
Here you go, officer. Alors, ça c'est good. Ça c'est bon. On va faire le petit test un peu nu. Après, la voiture elle est bien défoncée. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une autre voiture. Elle a tapé une autre voiture, mais. Ah, la drogue. Je vois pas d'autres voitures. Hein. Déjà, on sait qu'on a des frais d'assurance. Dépend de l'angle qu'on prend. Je profite pour lancer leurs objets pendant que je paye. Voilà. Et c'est vraiment, il faut trouver les bons angles. Procès verbal est complet. Ok. Donc, du coup, on va leur donner un procès verbal. Par contre, elle n'était pas assurée, donc du coup. Faire embarquer le véhicule. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Alors, on va lui mettre l'infraction déjà pour. Mince, c'était l'autre que j'avais. This is your accident report. C'était l'autre qui avait un problème de clignotant. A well-documented and exhaustive report. Thank you, officer. Par contre, on va l'arrêter du coup pour. I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. Please move on to the sidewalk. Please don't do that. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. I need some backup here. Take a suspect into custody. It'll take some time, but we'll take care of it. We're sending the closest hours. Transport to your location. Voilà, donc il verra ça. Ça, apparemment, c'est. Lucas s'est mis derrière la camionnette. Lui, il le voit pas, mais c'est pas très grave. Le principal, qu'elle est au courant. Peut-être qu'ils vont faire en sorte aussi d'améliorer ça aussi. Donc voir vraiment ce qu'ils auront changé et voir du coup ouais, si le jeu est moins lourd. Ce serait bien si on peut avoir. Ah bon, on a un accident là. Voilà, on s'occupe déjà d'un accident. Donc, on va regarder s'il n'y a pas de blessés. Alors on est pas mal hein, parce que là vous voyez on a 4 voitures. Donc là, je vous garantis que on va voir quoi de faire là. Oh, ils ont rien vu. Hein. ID and if available, proof of insurance, please. Après, ça va faire pas mal de photos. Here you go, officer. Alors, on est bon. Là, on est bon. Vous voyez même les bâtiments, vous voyez des graphismes en moyen, vous voyez c'est pas très aussi. Il faut bien un peu plus rendre le jeu peut-être moins lourd, peut-être que mon PC lui il arriverait à gérer cette personne roulait trop vite, j'en suis sûr. D'accord, donc elle a peut-être une raison si elle conduit vite hein.
ID and if available proof of insurance. Et je la vois pas tanguer donc. Je pense here pas you qu'un go, lui, mais peut-être la drogue. Peut-être. Vite, déjà toi t'as fumé. Ah y'en a, putain, y'en a une autre personne ici, une personne là. Donc on a 5 personnes sur l'accident. Je crois que je conduis un peu trop vite. Hein. Bon voilà, déjà au moins elle... ID, and if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. L'assurer. C'est bon, on va tester la drogue. Ah ouais, elle a pris de la drogue elle aussi. Ah, ça doit être deux copines à mon avis, hein. C'est possible. Non, t'as pas rien vu. ID and if available, proof of insurance. Bah, non. Here you go, officer. Ah, y a de quoi faire là. Alors, je sais pas si par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur l'accident, est-ce que ça joue du coup sur les XP ou est-ce que c'est tant de, d'XP un accident suspect. Drogué là. Ça va. Allez le dernier. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu rien du tout vous aussi? ID and if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. On est bon, il y a rien de bon. Et dernier test. Pour prendre sa tacro photo. On sait que c'est juste les deux femmes. We require support. Who's available? I'm currently busy with another issue. Je suis déjà sur un accident, désolé. Bah, il a rien lui en fait. Qu'est-ce qu'il a?
juste un truc. Voilà. Alors, on va faire partir lui. This is your accident report. Well documented and exhaustive report. Thank you. Donc, on a un petit bonus de 15 en plus. You're good to go. Drive partir, safe. Tranquille. Have a nice day. Allez, ben. Ah non, allez, il va falloir aller faire embarquer la voiture. Allez. This is your accident report. Hein. A well documented and exhaustive report. Thank you, officer. Allez, c'est parti. Hein. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Allez, rien, okay, here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. We're finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Alors, on va leur donner le procès-verbal. Okay, here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. Please move on to the sidewalk. What? I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Okay, here's your accident report. This is an accident report. On my way. On va prendre l'accident grave vu qu'on a terminé. This is your accident report. A well-documented and exhaustive report. Thank you, officer. I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. On leur donne leur avoir un peu de salive. En fait, non, non. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Allez. Donc là, on va y aller nous parce qu'on a un accident. Oh non. J'espère que ça va pas compter. Oh. What the... Oui, oui. Ah mais c'est pas vrai. On va pas y arriver. Ah il faut tellement pas. Tu sais quoi, je vais faire une patrouille à pied parce que j'ai pas trop le choix. C'est là, regardez, il reste rien comme PV donc là. Véhicule ici ça bug. Je dois deux fois que je recommence. Donc là, on va faire une patrouille à pied. Là. Je perds en plus tous les sous, quoi. Enfin, les points de... Ah, c'est pas grave, on va faire une petite journée à pied, tranquille. Oh! Ah ouais, joli, joli. Voilà, sortez des véhicules, là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? I saw how this person. J'ai vu cette personne tourner subitement, donc elle avait pas mis de clignotant. Please show me your ID. Là, ça a bien tapé, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Sure, officer. Here you go. Mais non, mais c'est pas toi. Ah, je vais prendre un moins 5 parce que j'ai demandé quel point. Hein. C'est à toi que j'ai demandé. ID. And if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Pas d'assurance. Et sans le cannabis, en plus. Ça voit du don, elle. C'est peut-être le fait du cannabis en fait qu'elle a pas vu que...
Là, on a les warnings, on peut pas supposer qu'elle avait du clignotant. À part si nous, elle nous dit. J'ai mis mon clignotant, je ne suis pas en tort. D'accord, donc vu que l'autre, dans tous les cas, elle est droguée, on peut pas prendre en compte son téléphone. Here you go, officer. L'intonation, c'était pas bonne alors. I'm issuing you a ticket because you don't have valid insurance. I didn't expect it to be that expensive. L'autre, elle avait pas un truc de classe 20, je crois. Je crois que l'avait déjà mis. Je l'ai même vu. Je sais plus, j'ai pas fait les tests. Je sais plus si j'ai mis l'amende déjà l'autre. Hein. De toute façon, on va quand même l'arrêter pour la drogue. Donc. Ah, c'est good. Bon, on va juste faire les photos pour le processus. Incroyable. J'ai pas pris de photos, c'est déjà marqué que j'ai pris des photos. Il y a un second bug là, ça va... This is Patrol 4561, taking care of the accident. Voilà. Après, on y fait le procès verbal. Voilà, on va mettre ça pour sûr. Okay, here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Okay. Here's your accident. On va l'arrêter du coup. This is an accident report. Thank you. Alors. I have to arrest you for driving under the influence of narcotics. Please, no! Is an officer available? I'm currently busy with another issue. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Comment la fouiller donc, voilà. Ouais. I need some backup here to take a suspect into custody. Porter quelque chose d'un peu illégal, 7 grammes de bœuf. Donc ouais, ça sera pas parti pour rien là. Allez, on va continuer. De toute façon on s'approche de la fin de la journée là. C'est pas chiant de tout. Voilà, ma patrouille est terminée. Du coup, on va au commissariat. Tranquillement. On a gagné 180. On a 452 à pied. Ça va, on gagne quand même bien si vous faites des patrouilles à pied, vous voyez, il n'y a pas... C'est vrai qu'à la tendance, si vous avez des soucis avec des véhicules de patrouille, en attendant, vous pouvez quand même faire des... Alors, il n'y aura pas d'accident grave, je pense pas, ça sera uniquement des accrochages. Mais bon, on peut quand même s'éclater même à pied. C'est ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a perdu 136 points quand même, ça fait beaucoup. Voilà. Donc là, on a débloqué Downtown. Non?
Ah non. Ah, je comprends pas alors. Ah non, Dantoine, c'est ça, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc apparemment, cette truc n'est pas encore accessible. On est vraiment là à la fin, c'est ici. Et je pense qu'on aura ça de débloquable plus tard, à mon avis. Parce que j'ai passé un niveau et au final, ça n'a rien changé. Bah du coup on verra pour le prochain épisode qu'il y aura une mise à jour. Parce que ça sert à rien que je refasse une vidéo de patrouille comme ça sera pas très. Le principal c'est voir la nouveauté qu'il y aura. Surtout qu'en plus c'est pas mal de bugs aussi. Puis là, faut bien utiliser la nouvelle voiture et tout, donc c'est vrai que on va se mettre. On va s'arrêter là. Et puis dès qu'il y aura une nouvelle mise à jour, bah, du coup on ira voir ça. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis du coup au prochain épisode. Allez, ciao ciao!